bouge pas, Bouboule. T'es partant pour une partie de ping-pong, Pesso. Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai. Nage un peu pour voir. Waouh, t'as vu ça? Il a un œil qui bouge d'un côté et un œil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globes peuvent voir dans deux directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi. Sinon... Bonjour, capitaine. J'étais en train de m'entraîner à l'escrime. Ouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur pour me protéger. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à deux fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien car la chair des poissons globes est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi, c'est quoi cette grosse chose grise qui nage vers Bouboule? C'est juste un requin-baleine. Bouboule, attention! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Oh non! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons deux missions. Porter secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin baleine qui l'a avalé. Les poissons globes sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénétrera dans l'estomac du requin baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin baleine. Nous devons le sortir de là et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, Quasi, au bassin de lancement. Corde. J'ai. Réservoir. J'ai. Ça sert à quoi? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon et tu as un réservoir à poissons portable. Bouboule sera en sécurité dans l'eau et vous serez à l'abri de ses épines piquantes. C'est très bien pensé, Twig. Octonautes, c'est parti! Quasi, tu vas nager jusque dans la bouche du requin baleine et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal. Coco! Et on vous fera sortir en tirant sur la corde. Ouais, tout ça me paraît assez facile. Le voilà. Il se dirige vers cet essaim gigantesque. Prends le réservoir à poissons, Quasi. Quasi? Miaou! Pesso, prends les commandes. Je viens te chercher, Bouboule. Aïe! Hey, doucement, je vais te mettre dans ce... le sac. Je te l'apporte, Quasi. Merci, Suis le requin baleine, Pesso. Active l'octo-turbo, ou nous allons les perdre. Bouboule est trop nerveux, il va finir par blesser la bouche du requin baleine. Non! Mais je veux dire salut. C'est moi, tonton Quasi. Je suis là pour t'aider, te sortir de là. Il y a suffisamment d'eau pour barboter ici. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, tu sais. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Tu crois? Oui, parce que tonton Quasi va faire une danse très marrante pour toi. Elle s'appelle « Essaie d'ouvrir les mâchoires de toutes mes forces. Trouve les branchies pour sortir. Retourne aux mâchoires pour faire un nouvel essai et ensuite glisser sur la langue. C'est amusant, et maintenant ? Maintenant, une histoire. Il était une fois tonton Quasi et un mignon petit poisson globe qui attendaient d'être secourus par tonton Barnacle et tonton Pesso. Mais ils prenaient tout leur temps.
Nous devons passer au plan B. Quand le requin baleine ouvrira la bouche, j'irai à la nage, je mettrai Bouboule dans le réservoir et je donnerai le signal coco. Et moi, je lancerai la corde et tirerai tout le monde hors de là. Tu es prêt? Prêt, capitaine. 3, 2, 1, saute. Youpi. Tu peux y aller, vaisseau. Regarde, c'est tonton vaisseau. Reste calme, Bouboule. On va seulement... Capitaine, utilisez votre force d'ours polaire. C'est ce que je fais, mais la force d'aspiration du requin baleine est trop forte. Et lui, c'est tonton Barnacle. Si on traverse cette paroi spongieuse, on va finir tout droit dans l'estomac. Il faut s'accrocher aux branchies. Je récupère Bouboule. J'essaie toujours de l'attraper. On dirait que le requin baleine s'apprête à ouvrir la bouche pour manger. C'est notre chance. Tonton Quasi va vous sortir de là. Miaou! Capitaine, la corde! Miaou! Bouboule! Il va traverser la paroi spongieuse! Le requin a dû avoir très mal! Bouboule ne doit pas atteindre l'estomac! Tiens bon, Bouboule. Il faut vite qu'il retourne dans l'eau. Le requin baleine doit souffrir. Les épines de Bouboule lui font mal. Je n'arrive pas à l'atteindre. Tu y arriveras si tu t'accroches à moi. Je te tiens. Il déglutit. Vaisseau, prépare le réservoir. Je l'ai. Capitaine, j'ai bien failli lui servir de déjeuner. Où est-ce qu'ils sont? Tu peux faire tout ce que tu voudras. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Vaisseau, fonce vers l'avant de sa bouche. Il faut que j'atteigne la bouche au moment où il va l'ouvrir. Maintenant! Coco! Quasi! Pas mal la balade, requin baleine. Mais c'est ici que tout le monde descend. Tonton Quasi! Maintenant, rappelle-toi de toujours faire attention aux gros poissons. J'ouvrirai un œil, et même deux, ça vaudra mieux.